Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Mishpatim. Une fois que HaKadosh Baruch Hu a promulgué le décalogue, les 10 commandements, les 10 mitzvot, les 10 paroles, Aseret HaDibrot, que HaKadosh Baruch Hu a adressé au Bnei Israël, et on se pose la question avec Rav Saadia Gaon, qui dit pourquoi 10? Pourquoi n'a-t-il pas donné beaucoup plus que 10? Et il répond, de même que nous utilisons 10 chiffres de 0, n'est-ce pas, 9? Pardon. Et avec ces 10 chiffres, on peut obtenir tous les nombres jusqu'à l'infini. On compose les chiffres dans n'importe quel ordre que nous voulons. Nous obtenons des nombres. C'est-à-dire, à partir de 10, on peut avoir plusieurs mitzvot. Et combien nous avons de mitzvot dans la Torah? 613. 613, 6, 1, 3, ça fait 10 aussi. 613, de manière à avoir la possibilité qu'une mitzvah se décompose en plusieurs, ou à partir d'une mitzvah, on peut générer d'autres mitzvot. Voici les jugements, les mishpatim que tu dois exposer devant eux. Et les hachamim de dire, que ça veut dire ve'ele, et voici. Et alors, lis ceci. Chaque fois qu'il dit ele, seulement voici, c'est-à-dire que tout ce que nous avons dit précédemment, il faut l'annuler. Il ne compte que ce que nous sommes en train de dire maintenant. Mais si on ajoute le « et voici », le « vav », le « v » et « les », c'est pour te dire que de même que les rishonim, les 10 paroles que nous avons étudiées, que nous avons entendues sur le mont Sinaï, ont été données et promulguées par HaKadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, ainsi que ces mishpatim, ces jugements, ces mitzvot que nous allons entendre dans Parashat Mishpatim, ont été édictés, ils ont été prononcés dans le mont Sinaï également. Marishonim Mishinaï, Af Aharonim Mishinaï. De même que les premiers étaient de Sinaï, les deuxièmes aussi, ceux-là, il faut... ils viennent de Sinaï. Excusez-moi. Il y a un parallélisme à faire entre la paracha de Aseret HaDibrot et parashat Ve'eleha Mishpatim. Dans Aseret HaDibrot, la première introduction de HaKadosh Baruch Hu, avant d'introduire, il dit « Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Me'eretz Mitzrayim Bet Avadim » « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte mi Bet Avadim » De quoi on parle dans Ve'eleha Mishpatim qui t'iknei ve'divri? Quand tu acquerras, quand tu achèteras un Eved, un esclave hébreu. Et ce parallélisme, il interpelle dans ce sens que, qu'est-ce que ça veut dire qui t'ikne? À peine on vient de sortir d'Égypte, bien, à peine on vient de sortir de l'esclavage,
on parle qu'on peut acheter un hébreu, un autre juif comme esclave. Comment est-ce possible? Est-il possible d'imaginer un seul instant que la Torah édicte cette possibilité? Il faut peut-être comprendre comme ceci le verset. Qui tikne Eved Ivri? Qui tikne Eved Ivri? Normalement, on doit dire qui tikne Ivri l'Eved. Mais là, tu es en train de dire qui tikne Eved. Quand tu achèteras un esclave, lui n'est pas esclave. Il faut que tu l'achètes. Une fois rentré chez toi, il devient un esclave. Tu n'as pas acquis un esclave. Et là, la Torah fait un remède, une allusion. Quand tu achètes un hébreu comme esclave, sache que tu achètes déjà un Eved qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, en nous sortant, en nous faisant sortir d'Égypte, qui nous a acquis comme Avadim, qui dit Bnei Israël Avadim, les Bnei Israël sont mes esclaves, sont mes serviteurs. Nous sommes les serviteurs de HaKadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas du tout acquérir un serviteur qui appartient à un autre maître. Et sache que ce Eved, qui est un Eved Hashem, normalement il est Ben Horin. Et fais attention quand tu vas l'acquérir. Ce n'est pas du tout un Eved que tu vas acquérir et tu vas le traiter comme un sous-être humain. Non, tu acquiers un Eved, tu acquiers un maître. Mishé kana Eved, kana rabo. Celui qui a acquis un Eved, il a acquis un maître à lui. Qu'est-ce que dire un maître à lui? Les Hachamiens disent, tu as un seul matelas. Et tu veux le faire dormir par terre? Non, toi tu dors par terre et lui il doit dormir sur le matelas. Ça veut dire que l'esclave hébreu que tu viens d'acquérir, lui il est mieux que toi, tu dois le traiter mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il est Eve d'Hachem. Il est Eve d'Hachem. Je voudrais faire quelques remarques de manière à comprendre un petit peu l'esprit de la Torah là-dedans. On sait que un homme peut se vendre comme esclave ou il est vendu par le tribunal parce qu'il a volé, il n'a pas eu de quoi payer. Où il se vend lui-même. Il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'il fait? Il se vend comme esclave. Mais une jeune femme, même si elle a volé, elle n'a pas de quoi payer, ne se vend pas du tout comme esclave. Quand elle est petite, son père peut la vendre comme Ama Ivria, comme une servante. Et là, elle a des klalim. Tandis que, même s'il se trouve qu'une femme a volé, elle n'a pas pu du tout payer le double qui lui est réclamé, on ne la vend pas du tout comme esclave. Un. De la Torah dit, s'il rentre célibataire seul, il sortira seul, célibataire. Aval, s'il rentre marié, tu l'as acheté marié avec une femme et des enfants, le maître, le rav, celui qui l'a acheté, il peut
lui donner une servante cananite qui appartient au maître, pour lui produire des esclaves cananites. Donc, s'il rentre marié, le maître est en droit de lui donner une deuxième femme cananite. Et cette cananite, elle produit les enfants qui n'appartiennent pas du tout au maître, qui n'appartiennent pas du tout au mari qui est l'esclave hébreu, mais au maître qui lui a donné cette femme. Et au moment de la sortie de la libération, c'est-à-dire 6 années, il travaille. Et à la 7e année, il sort Hofshi, en toute liberté. Si jamais celui qui est rentré marié et qui a été marié pas avec une servante cananite, qui lui a donné des enfants. Si jamais il ne veut pas sortir, il dit « Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, Ahavti et Ishti, j'aime ma femme, mes enfants, Lo et Tsechofshi, je ne veux pas sortir libre. » Alors, analysons un petit peu le cas de celui-ci. Celui-ci, il est rentré avec sa femme et ses enfants. Le maître lui donne une autre femme. Il s'installe dans la servitude. Il aime être au service d'un maître. Il a aimé cela. Au contraire, au lieu de sortir à la liberté que lui donne la Torah, il dit non, je veux servir, je veux être asservi. Alors, il est bien entendu, lui, Gishwaz Lavela Elohim. Son maître l'amène devant le juge. Et alors le juge, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui poinçonne l'oreille et la délétoie, la mezouza, soit devant le poteau de la porte, soit à la porte. Il va lui poinçonner l'oreille pour dire qu'il est Eved le'olam, qu'il est un Eved jusqu'au jubilé, jusqu'au moment où le Yovel va être proclamé. Et alors, la Gemara pose la question, Shimon ben Yochanan ben Zakkai et Rabbi Shimon ben Yochai, ils se posent la question, pourquoi l'oreille? Pourquoi poinçonner l'oreille? Pourquoi pas poinçonner le nez? C'est bien. Il y a des gens qui mettent des anneaux dans un nez. Il dit « Ozen shishama behar Sinai » L'oreille qui a entendu sur le mont Sinai « Ki li beni Israël avadim » Car les bnei Israël sont pour moi des avadim, des serviteurs. Et Halach, il est parti. Et il s'est vendu comme un évêque d'un autre. Cette Ozen qui a entendu, n'est-ce pas, et qui n'a pas retenu la leçon de ne pas se vendre, de ne pas s'engouffrer dans l'esprit de l'esclavage. C'est-à-dire, il devient un esclave. Il s'enfonce comme esclave. Il s'incruste. Teratza, c'est Ozen Teratza. Il n'a pas bien compris le message de HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi délet ou mezouza? Pourquoi délet ou mezouza? Rappelez-vous, quand HaKadosh Baruch Hu, il a voulu épargner les premiers-nés des Bnei Israël, donc quand il a frappé de mort tous les aînés égyptiens, il leur a dit « Mettez mezouza, ben mezouzot, ken ou elamashkof, il faut mettre du sang, ben avarti pasahti al-batechem. »
Alors, Akadosh Baruch Hu nous a acquis comme esclaves, comme serviteurs, par le fait qu'il nous a sauvés et il nous a épargnés. Et nous avons été ce Eved. Il a préféré rester au service d'un homme. Là aussi, Teratsa. Comprenons que le fait d'avoir été les serviteurs de HaKadosh Baruch Hu, nous avons été libérés. Le fait de se mettre au service d'un homme, on s'aliène. On s'aliène et on s'enchaîne et on devient prisonnier. Alors, le fait d'avoir accepté la Torah et d'être éveillé de HaKadosh Baruch Hu, nous sommes des bnei chorin. En lecha ben chorin ela mi sha'osek b'Torah. Il n'y a pas d'autre homme libre, né libre que celui qui s'occupe de l'étude de la Torah, qui étudie la Torah. Alors, nous avons cette chance de proclamer devant HaKadosh Baruch Hu, nous sommes Te'abadim. Et d'ailleurs, il y a les Hachamim posent, ils sont, Rabbi Yehuda a dit que le din de Bnei Israël, c'est d'être Abadim. Et Rabbi Meir, il dit non, le din de Bnei Israël, c'est nous sommes Abadim, nous sommes Banim. Nous ne sommes pas des Abadim, nous sommes des fils. Nous sommes fils, nous sommes des Abadim. Vous vous rappelez dans la prière de Asaret, Yemet et Shuba, on dit Avinu Malkenu. On dit Avinu, notre père, Malkenu, notre roi. Pourquoi ces deux? Où il est notre père, il n'est pas notre roi. Où il est notre roi, il n'est pas notre père. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il est à la fois notre père, parce que nous pouvons être banim, comme dit Rabbi Meir, ou alors être des abadim. Et alors, HaKadosh Baruch Hu est notre roi et notre maître. Alors que nous soyons soit des Abadim, soit des Banim, écoutons HaKadosh Baruch Hu, obéissons HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu va avoir pitié de l'âme d'Israël, guérir tout celui qui a besoin de sortir de ce mauvais pas de corona ou de toutes sortes d'épidémies ou de toutes sortes de maladies. Que HaKadosh Baruch Hu vous donne à vous, à toute votre famille, à vous tous, une refouach lema, beaucoup de bonheur dans votre foyer.